notre devoir, c'est de mettre à la disposition des fidèles ces équipements. Notre devoir aussi, c'est de les sensibiliser pendant les heures de prière, après les heures de prière, à observer ces mesures sanitaires. Mais vous voyez, c'est assez compliqué. Il y en a qui acceptent, mais il y en a qui n'acceptent pas du tout. Ben, on ne peut pas les obliger. C'est un peu ça notre problème, la proximité du Grand Marché et la proximité du Damanani fait de la Grande Mosquée un objectif névralgique et très sensible. Ici, c'est un peu particulier. Par rapport aux autres endroits, c'est un peu particulier parce que la sensibilisation doit être permanente. Bon, l'appel à ces mesures sanitaires doit être permanent. Que les gens l'observent ou pas, ça c'est notre problème. Mais nous, notre devoir, c'est de les appeler à se laver régulièrement les mains en entrant dans les mosquées et en y sortant. Il y a certains qui ne prennent plus au sérieux la pandémie du coronavirus. Au début, le Covid a fait d'énormes pertes en vies humaines à l'extérieur du Mali, causant ainsi la prise de certaines mesures comme le confinement dans les pays les plus touchés par la pandémie. Au regard de la diminution du taux de contamination au Mali, beaucoup ne respectent plus les mesures barrières. Cela n'est pas bon. Les autorités ont quand même doté les mosquées de kits de lavage de mains et de masques. J'invite les uns et les autres à croire à cette maladie qui a existé depuis le temps du prophète. La grande mosquée, tu vois, tout le monde vient ici. Et puis, ce n'est pas comme les autres mosquées. Si tu dis, tu vas essayer de collaborer les gens ou les sensibiliser, il y a d'autres qui parlent mal, il y a d'autres qui comprennent. Quand on parle quelqu'un, si tu rentres, lavez votre main à cause du coronavirus. Donc, il y a d'autres qui comprennent et d'autres qui ne comprennent pas. Surtout le jour des mosquées, vendredi aussi. Il y a beaucoup qui respectent parce qu'on classe beaucoup. Tout le monde, s'il rentre, il prend son savon, il prend et il se lave leurs mains.